Dès 1972, il est question de concevoir un nouveau char de combat aux USA. Les objectifs fixés pour ce nouveau char étaient, entre autres, la sécurité de l'équipage, la possibilité de coups au but dès le premier tir, la rapidité pour acquérir et frapper l'objectif, la mobilité tout-terrain, l'intégration d'un armement secondaire, la sécurité du matériel, le potentiel de développement ultérieur et la simplicité du transport. L'armée des USA demanda des prototypes à General Motors et à Chrysler. Cette compétition devait permettre d'obtenir les meilleures solutions pour des coûts amoindris. Le nouveau char fut dans un premier temps nommé XM815. Fin 1973 eut lieu la guerre de Kippour au Proche-Orient. Les conclusions rendirent indispensable d'inclure des améliorations dans le projet XM815. Une des nouveautés majeures dans cette guerre fut le large usage fait de missiles anti-char AT-3 et le lance-roquette anti-char RPG-7 d'origine soviétique. Mais l'enseignement le plus important tiré de cette guerre est que le blindé restait l'arme dominante sur le champ de bataille. On relança le projet du nouveau char américain, rebaptisé XM1. General Motors et Chrysler continuèrent à plancher sur un prototype, y ajoutant le blindage Burlington. Les premiers exemplaires pour la phase de validation virent le jour courant 1976. En conclusion, fin 1976, Chrysler fut déclaré titulaire pour le développement du projet. Les premiers prototypes roulèrent début 1978 et la production en petite quantité du XM1 débuta en mai 1979. Le premier char de série fut produit en février 1980. Début 1981, sa production en grande échelle fut acceptée et on lui donna le nom de char de combat à canon de 105 mm M1 Abrams, en honneur au chef de bataillon de la division blindée durant la Seconde Guerre mondiale. La première phase dans l'évolution du M1 fut l'ajout du canon de 105 mm amélioré. Ensuite fut installée une version simplifiée du canon Rheinmetall de 120 mm allemand, qui aboutit à la version du M1A1 en août 1984. Fin 1988, apparut une nouvelle version du M1AA-HA, Heavy Armor ou blindage lourd, qui incorporait au blindage une couche spéciale de mailles d'uranium appauvri pour doubler la protection contre les obus perforants. Il commença ensuite à être remplacé par les chaînes de montage où il sortait 60 chars par mois et par usine à fort de la production dès 1985 par des versions améliorées. Entre 1986 et 1992, 1531 chars furent produits annuellement. Des mises à jour périodiques ont lieu, et dans les années 2010, on pense entre autres à tester un moteur diesel plus économe. Le MAA1 est prévu pour rester en service aux États-Unis jusqu'en 2021, et le M1A2 jusqu'en 2050.
Dès 1984, l'armement principal des deux variantes M1A est constitué d'une version dérivée du canon Rheinmetall de 120 mm. Les premiers modèles équipés du canon 105 mm ont été retirés du service. L'armement secondaire est constitué de deux mitrailleuses de 7,62 mm auxquelles s'ajoute une mitrailleuse de 12,7 mm qui peut être utilisée depuis l'extérieur du véhicule sur la plupart des versions. Le char bénéficie également d'un système de protection NBC, d'un télémètre laser, d'une gyro stabilisation du canon et d'un système de tir commandé par ordinateur. L'Abraham M1A2 se différencie par son canon Rheinmetall de 120 mm et se voit attribué d'un nouveau système de conduite de tir, viseur thermique rotatif, un poste d'arme indépendant pour le chef de char et un nouvel ordinateur de bord, une interface d'acquisition de données et de transmission, équipement de navigation et de positionnement. Ce tank de 61 tonnes a un équipage de 4 hommes et peut atteindre une vitesse de 72 km par heure. Pour la visée de jour, le tireur dispose du viseur principal du canon. Ce viseur jour-nuit possède un grossissement en voie jour par 3 en grand champ et 1,2 par 10 en petit champ. La visée de nuit s'effectue du Thermal Imaging Sight TIS, qui fonctionne sur base de l'imageur thermique. Le TIS offre un grossissement par 3 et par 10 en fonction zoom. Le viseur inclut un télémètre fonctionnant avec un laser sur une longueur d'onde de 1,06 micromètre. Ce télémètre est relié à un ordinateur balistique. Sur le M1A2, un nouveau télémètre laser est installé, fonctionnant sur une longueur d'onde de 1,54 micromètre. Inoffensif pour les yeux. Ces systèmes jour-nuit sont tous les deux stabilisés sur le plan vertical et sur le M1A2, ils le sont sur le plan vertical et azimutal. Ces deux viseurs sont montés côte à côte dans une niche blindée donnant sur le toit, à l'avant, à droite de la tourelle. Si le viseur principal est endommagé, le tireur peut toujours compter sur un viseur télescopique d'urgence. Possédant un grossissement de 2 par 8, ce viseur de secours possède plusieurs réticules interchangeables en fonction du type de munition. Sur le M1A2, le chef de char dispose d'un viseur panoramique CITV. La conduite de tir comprend un ordinateur balistique numérique relié à un télémètre laser, à un capteur de DVR monté d'une rampe à pendule statique, à un miroir de volet placé au bout du canon et une sonde anémométrique qui comprend aussi des capteurs mesurant la température et la pression atmosphérique. La stabilisation du canon est assurée par les deux plans, par un système hydroélectrique. Au début des années 80, l'Abraham était capable, avec son canon de 105 mm, de porter un coup au but au premier tir, sur une cible distante de 1850 mètres, tout en se déplaçant à une vitesse de 40 km par heure sur un terrain accidenté. La caisse et la tourelle du Abraham sont réalisées par un assemblage de plaques de blindage mécano soudées en acier. Le masque du canon, la partie avant de la tourelle, ses flancs ainsi que l'avant de la caisse renferment des caissons abritant un blindage composite dénommé Special Armor. Des pré-blindages latéraux protègent les flancs de la caisse sur une partie de sa longueur. Ils sont au nombre de 2 sur le côté gauche et de 4 sur le côté droit, afin de protéger la soute à munitions située entre le compartiment de combat et le compartiment moteur.
Chaque élément fait 70 mm d'épaisseur et renferme une succession de couches séparées par un matériau composite. Le reste du train de roulement est protégé par de simples jupes métalliques, 3 à droite et 5 à gauche. Plus légère, ayant spécifiquement comme but de faire détonner prématurément les projectiles à charge creuse afin de limiter leur efficacité. Une rangée de silence-peau fumigène est montée de chaque côté de la tourelle. Il est aussi possible d'installer sur le MAA1 un brouilleur électro-optique sur l'emplacement initial réservé à l'éventuelle installation d'un viseur panoramique. La protection balistique du M1 était capable de mettre en échec des obus flèches de 115 mm tirés à une distance de 800 mètres, ainsi que des missiles anti-chars à charge creuse d'un calibre de 122 mm tirés dans un secteur frontal de 25 degrés à droite et à gauche. Le compartiment de combat devait être à l'épreuve des projectiles anti-chars à charge creuse de 81 mm, frappant le char avec une incidence de 45 degrés et de 90 degrés pour la nuque de la tourelle. Les parties du char non protégées par le blindage composite telles que l'arrière de la caisse, de la tourelle ou encore le toit résistant aux obus perforants de 23 mm. Le char de combat Abraham est propulsé par un turbomoteur dont la puissance nominale est de 1522 chevaux, un régime de 3000 tours par minute. Un couple maximal de 5355 Nm est disponible dès 1000 tours par minute. Le poids à sec du turbomoteur sans filtre à air est de 1134 kg. La boîte de mécanisme est spécialement conçue pour être utilisée avec la turbine à gaz montée sur le M1 Abraham. Hormis le fait de reprendre la fonction de transmission d'une boîte de vitesse, la boîte de mécanique assure aussi la direction, le freinage, ainsi que l'alimentation des ventilateurs assurant le refroidissement. Les ventilateurs installés de part et d'autre de l'échappement de la turbine sont utilisés pour refroidir le lubrifiant de la turbine ainsi que celui de la boîte de mécanisme. Cependant, il est possible de générer un écran de fumée à l'aide du ventilateur gauche, en vaporisant du carburant dans l'échangeur de chaleur servant à refroidir l'huile de la boîte de vitesse. Le freinage est assuré par des freins à disque à bain d'huile actionnés hydrauliquement, qui sont aussi utilisés comme frein de stationnement. Son baptême du feu eut lieu en 1991, lors de la guerre du Golfe, où il s'est bien comporté face à une force mécanique conventionnelle, en ne subissant qu'une vingtaine de pertes, dont plusieurs tirs fratricides.